L'établissement n'est pas encore ouvert au public, alors on a laissé la musique investir totalement les lieux. À Vizzavone, cet hôtel-restaurant 4 étoiles devient résidence d'artistes pour Félie et la pianiste-concertiste internationale Laura Cibella. Ensemble, ils élaborent une création ambitieuse où se mêle l'univers du chanteur à celui de la tradition des danses hongroises de Brahms. Les arrangements sont signés par ce jeune talent Jérémy Vuillamier. Tout devra être au point d'ici cet été pour le festival Opus Corsica. Sur un travail dépouillé comme ça, même si c'est un piano quatre mains et les arrangements sont assez fournis, mais ce n'est pas un orchestre. Donc le travail est d'autant plus minutieux et donc il nous faut un peu plus de temps. Et le fait qu'on soit ensemble, qu'on vive ça ensemble pendant des jours et des jours entiers, voilà, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Sinon ça aurait été compliqué. L'hôtel a été mis gratuitement à disposition des artistes. Chacun a choisi sa chambre. Le patron n'est pas là aujourd'hui, mais son mécénat est particulièrement appréciable dans ce contexte difficile pour les acteurs de la culture. C'est complètement fou. Donc il a ouvert les portes, il a chauffé puisque nous sommes à Vizzavone et il nous a laissé tout l'hôtel. Donc il n'y a personne, sauf les musiciens. La petite troupe a déjà séjourné ici deux fois pendant trois jours. Et d'autres résidences restent à venir. Ce mécénat d'hôteliers, c'est une façon pour ces professions sinistrées par la crise sanitaire de résister ensemble dans la tourmente.